Oh bonjour et bienvenue sur la démo de Resident Evil 2. Resident Evil 2. Oh, qui va sortir dans quelques jours. J'ai décidé, oh oui, de vous offrir pas mal de choses. Alors, normalement, si tout va bien, comme d'habitude, cette vidéo, un test de Resident Evil 2. Alors, forcément, quand j'aurai terminé, que j'aurai toutes les informations pour écrire mon test. Et une petite rétrospective de la saga Resident Evil qui voilà, va être peaufinée. Appuyez sur la manette, alors on est sur la version Xbox One, mais il sort sur PlayStation 4, etc. Sous-titres, oui, sortie audio, on s'en branle. Non, on est sur les TV. Confirmé. Luminosité, on va mettre au maximum pour qu'on puisse tous savourer, déplacer le curseur jusqu'à ce que l'image soit à peine visible. Elle est à peine visible, c'est tant mieux. Elle a disparu. Faire agrandir. Alors c'est fou, c'est que sur ma télé ça change rien, mais par contre sur le capture, sur la boîtier de capture ça change quelque chose, ça c'est beau. Connexion à un service qui traite vos données. Envoie des données. Oui, va, envoie tout, donne-lui mon corps, bébé. Option s'en fout, campagne, direction. Il se peut que la démo diffère du jeu final. Cette démo n'est jouable que pendant 30 minutes. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. 30 minutes ! En voulant faire une courte pause dans une station-service aux abords de la ville de Lyon, S. Kennedy, jeune recrue de la police de Raccoon City, était loin d'imaginer qu'il se retrouvait au beau milieu d'une marée de zombies, accompagné de Claire Redfield, dont il vient de faire la rencontre. Lyon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police. Mais un accident vient séparer les deux compagnons d'infortune. Se frayer un chemin parmi les dangers qui l'entourent, Lyon parvient à rejoindre le commissariat de la ville. Est-il en sécurité pour autant? Oh mon dieu, elle est dans le Resident Evil, comment on court? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors pour viser, ok. Bah, on va aller là parce qu'on vient d'ouvrir. Oh, regardez comme c'est beau! Alors, il faut savoir que le jeu utilise le moteur de Resident Evil 7. Et regardez-moi ce Kennedy en version puceau prépubère qui n'a même pas encore tué son premier zombie. Oh, le pauvre chou! Mais heureusement, le jeu va nous offrir la possibilité d'en niquer. Et en fait, pour ceux qui... par hasard, se pose la question, Resident Evil 2 n'était pas en version TPS, mais bel et bien en version avec des caméras fixes qui étaient posées sur les murs, comme dans Resident Evil 1. Ça c'est beau, ça va aller. Coucou! Y'a quelqu'un? Ah d'accord, ça voulait pour tout seul. Bonjour. Combiné. On combine Y pour l'inventaire, on est ok. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas Resident Evil 2, sachez que je ne l'ai pas fait parce que moi j'ai fait Resident Evil 1, je l'ai jamais fini. J'ai fait Resident Evil 0, je l'ai jamais fini. Et puis après j'ai fait Resident Evil 4 et là je suis tombé amoureux. Ah, pour moi Resident Evil 4 c'est le meilleur. Voilà, puis après j'ai fait Resident Evil 5, qui est excellent, mais on en parlera dans ma petite rétrospective. Vas-y Kennedy, allez c'est parti, vas-y, on va faire du zombie, parce qu'on a que 30 minutes, alors bon, en 30 minutes, alors je vous rassure, la démo ce n'est pas le jeu complet, mais c'est une partie du jeu. Alors ils disent que ce qu'on voit là, ça peut différer du jeu, non, pas du tout, là ce que vous avez là, c'est le jeu. C'est ce qu'il y aura dans le jeu, bien sûr, et fin de l'histoire. Oh merde. Oh ouais. Les zombies, ils ont bouché les chiottes. Tu sais, ils ont bourré avec le PQ, comme ça. Comme ça. Comme ça, je glisse. On dieu, des cadavres. Oh, des cadavres. Alors, je trace, hein, mais faut pas croire, mais je connais pas le jeu, hein. Non, mais... je... voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est pas celle-là? C'est qui? C'est qui? Hein? Ça toque à la porte? Je vais vous aider. Il faut dire le mot de passe. Oh, on accepte.
Attendez. Oh, vous avez un papelard. Attends. Aïe. Allez. Autre main, allez. Allez. On peut dire que il manque pas de mordant de, à l'extérieur. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te coupe la chic. Non, attendez, il fallait pas le prendre en sens littéral, mais... Tu me pardonnes à moitié cette vanne ou pas? 50-50. Oh, mais... J'ai jamais été très bon pour de l'humour. Qu'est-ce que c'est? Un carnet d'officier. C'est plutôt le carnet d'un enfant. Wait out. Couronne. C'est un signe. C'est un méga signe. Ok. Alors. Ça, Connor. Oh mon dieu! Mais tu es vilain! Oh. Ah, il faut savoir que dans ce Resident Evil, maintenant, quand on vise un ennemi. Oh mais... Quand on vise un ennemi, en fait, vous avez vu le curseur, il devient plus petit au bout d'un moment. Et bien en gros, c'est la spécificité. On s'en fout! Oh, dégage! T'es une fausse blonde? Je suis pas prêt. Ah! Ah! Ah mon dieu! Ouais, ouais, vas-y. Cours, Kennedy, cours! Putain, t'as un gros cul! Oh non, là ça passe pas, non, c'est faux. Ah merde, on peut faire pause. Oh là, ma merde! Ah! Relâche-toi! Espèce d'hooligan! C'est un nazi! C'est un nazi! Regardez la boule à zéro! On peut dire qu'il est... Il... T'as mis les idées à plat. Pour l'instant. Merci. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Et alors juste un passage secret dans un tel lieu. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. C'est un ordre, mec. Espèce de blanc bec. Je vais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Espèce de blanche-neige de merde. Tu vas m'écouter. Tiens, prends mon canif. Canif bord bonheur. Fais pas la même erreur que moi. Ouais, si tu le vois l'ennemi et qu'il s'approche de toi, tu le plantes. Et même s'il te mord le cou, c'est pas grave, tu le plantes. Alors d'ailleurs, si vous remarquez, là on s'est fait mordre, techniquement on doit se transformer en zombie. Mais Léon S. Kennedy, plus tous les autres personnages, eux ils peuvent se faire mordre, ils ne risquent rien. Par contre lui, ouais lui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-nous tout, qu'est-ce qui t'est arrivé Billy? Tu t'es fait mordre. Par 4 ou 5 zombies. Oh, un couteau de combat. À équiper depuis l'inventaire, le couteau s'abîme à chaque utilisation et casse lors de sa jauge vide. Sortir le couteau, attaquer. Vous pouvez contre-attaquer. Non, mais je le sors pas alors. Je vais même faire un cure-dent. Et je présume que quand on va se revoir, tu seras un zombie. Oh putain. On peut mettre des trucs. Bon, après, c'est beau, hein. Le jeu, il est beau. Regardez-moi ce petit cul. Attends, il y avait un truc. Qu'est-ce que c'est? C'était pas... ce qu'on a vu, là, dans les dessins? Et ouais, il y avait... Il y avait ça. Il y avait pas un book? Ah si, il y avait la couronne. Ben. Ah merde, je m'étais trompé des trucs. Médaillon du lion. Oh mon dieu, ça fait quoi? C'est une plante verte, ça? On peut pas l'avoir. Et d'ailleurs, ils se transforment pas en zombies, mais ils peuvent se soigner. Alors que là, par exemple, le Gus, là, on pourrait lui donner notre spray qu'on a récupéré. Mais on va le garder pour nous, parce qu'on est un gros chien.
Et voilà. Donc Elliot avait raison. Il y avait bien un passage secret. Ah, je te rassure que je peux pas passer. Bah, avançons. Là, je peux pas passer. Ah, une boîte. Oh ! Alors, bon, là, bon, on a récupéré le couteau, tant mieux. Mais ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que si on n'a pas le couteau, on peut pas l'ouvrir. Eh ben oui, on a pas de main. Hein, je veux dire, nos doigts ne peuvent pas ouvrir le scotch. C'est impossible. Alors, regardez comme c'est bien collé. Regarde le scotch. C'est beau quand même. Ah, c'est vrai que le moteur de RE7 était quand même bien pété. Ah. Putain, comment il tient l'arme et tout, c'est super classe. Bon. Alors ça, alors mesdames, quand on vous dit qu'une pipe, c'est déjà difficile, n'essayez pas d'en mettre plus, hein, contentez-vous d'une seule. Deux, mais deux petites alors. Parce que sinon... Désolé. Ah merde. Ah, il faut le trèfle. Il faut la clé trèfle. Ah, trèfle. Ah. Une vitre brisée. Je peux pas faire quoi que ce soit. Hein. Ah, bonjour, c'est pour un autographe? C'est bien moi, c'est bien Kennedy. Attends, est-ce que je peux te coller une balle? Ah, oh la connasse, elle triche! Tiens, ça t'apprendra! Non! On a dit non! Qu'est-ce qu'on a dit, Brigitte? Coucher, Brigitte! Tiens! Et tiens! On peut pas la queuter là? Comment? Tiens! Mais elle était pas morte! Tiens, je vais refaire ton portrait! Putain, j'aurais passé 30 minutes à la buter et pas bouger. Attention. Je sais. Carte d'accès. Ouh, une carte d'accès. On va où là? Regardez. Un animal cherchant de la nourriture. Oh monsieur! Oh monsieur, lâchez ces mars, s'il vous plaît! Je suis navré. Tu bouges pas toi? C'est bien, il ne bouge pas. On est bloqué. On est bloqué, putain, mais c'est tellement bien fait. Et ça fait. Enfin, les mouvements sont assez réalistes, quoi, quand ils bougent. Putain, mais. Oh Dieu, mais. C'est bon. Et c'est plus que. Un simple remake. Hein. C'est vraiment. Ah! Ah, ça ferme tout seul. Ils ont vraiment fait un nouveau jeu, quoi. Terminal des casiers. Des touches de rechange. Ah, les touches de rechange, pourquoi? Ok, Gilbert a encore enlevé des touches. Ah, bah du coup, je peux pas ouvrir ces casiers. Ah, 106 peut-être. 106, 109. Bah écoutez, on va essayer. Alors. Une pellicule? Oh mon dieu, des photos compromettantes. On adore ça, nous. Non, me mens pas, on sait qu'on l'a ouvert. Ok. Un 208, eh ben on peut pas parce qu'il manque le 2. Donc ça, on peut pas. Ok. Carte d'accès utilisée. Carte d'accès. Oh! Oh, le pompe! Oh, un W870, et en plus il prend qu'un slot parce que ce jeu est bien fait.
Ah, ça c'est pas bien fait. Attends, j'entends du bruit. Attends! Oh, ça va, il est... voilà, on utilise. Attendez. Attendez, monsieur. Je suis à vous tout de suite. Parce que c'est bien fait, ce jeu. On peut pas quoi... Ah, d'accord, il faut refermer comme ça. Alors que l'autre, on peut... Oui. Attendez, monsieur. Voilà. Oh le chapeau. Ah oui. Ah, mais même le visage se déforme. Putain, c'est bien foutu. Attends. Oh, je vais te suriner. Oh, regardez comment il se relève, l'enculé. M'en fous. Ouais, ouais, gros. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Blanche de Bois? Cool. Je trace. On s'en fout. On s'en fout. Oh, c'est une sauvegarde. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Plante rouge. Oh, une plante. Ah ouais, bah merde, on n'a pas. Mais ça, c'est quoi? Ah, oh, pour regarder la pellicule. Photo compromis. Hein. Et d'accord, et là on peut voir un sceptre et un machin. Ok. Est-ce que les zombies peuvent rentrer dans la salle? Poudre noir, on veut pas. On veut. Putain, comment il tient le pompe, c'est super classe. On repassera, hein. Oh, attends, non, regarde. Oh, je vais te guaquer. Allez, bye. Petite merde. Ah, pardon, monsieur. Oui. Oh, il me pointe du doigt, monsieur. On ne pointe pas du doigt. Ah, ça t'a pas tué. Moi aussi, ça me la coupe. Putain de merde. Oh, mais t'es moche. La position. Ouais, vas-y. Mais c'est quoi ces zombies de merde? Prends-moi mon couteau! Et là, il y a quoi? Une plante, on s'en branle. Alors, j'essaye de faire le plus de pièces possible. Ah, on peut pas parce que sinon on prend feu. Ou un truc du genre. Ah, il m'a fait peur. Oh, on sait pas pour l'instant. Ça fait peur. Bonjour. Je suis Kennedy. Qu'est-ce que c'est cette merde? C'était quoi ça? Attendez, j'ai vu un truc. Mais non! Non! Vite! Pas de texte! Alors c'était bien par là. Tant pour moi. Une sacoche. Oh oui! Encore plus d'emplacement! Bon ben vous saurez où aller cette sacoche, retenez-le! Du C4! On peut pas faire péter le C4! Combiné! Et si on tire dessus? Non! Qu'est-ce que c'est ce jeu de merde? Non, non, non. Non ben non. Ah, perso, moi j'aurais fait péter. Ah, la poudre noire? Ça donnerait beaucoup quand même. Oh oh. Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Ouais, mais attends, j'ai peur. Oh oh! Oh merde! Tolin, tin, tin. Extermination. C'est quoi ce fusil à pompe de merde ?
Je suis trop con. Par contre, ça c'est bien fou. Monsieur, il faut arrêter le McDo. Attends, parce que on va peut-être en garder un peu. Voilà. Ah, hey, t'as vu ça, ma biche? Qu'est-ce que c'est? Oh, un nouveau couteau. Pam, pam. Oh non, encore un truc. La corde. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez, attendez, une... Oh, je croyais que c'était une clé. On a clé. Attends, on l'a défoncé. Alors, par contre, c'est bien fait que les zombies peuvent trébucher sur les autres zombies. On a atteint un level. On est beau. Quoi? L'autre, il est encore en train de taper sur la... Oups. Vite, cours! C'était où? Droite, gauche, droite? C'était par là. Non, c'était pas par là. Si, c'était par là. Ah, mais oui, mais on était tombés et tout. Eh ouais. C'est ça. C'est qu'on a été tombés. Ou un truc du genre. Ouais, gros gros, hein. Tu bouges pas. Ah putain, encore. Ah mon dieu, mais il y a plein de trucs avec des chiffres. Même pas ce genre d'énigme. Même pas les chiffres. Dis calot. Mais merde, attends, mais elle est où la porte? Quoi, gros? Ouais, ouais, tchouf. C'est pas celle-là, porte? Non, ça c'était le truc. Ah, moi je te dis que c'était par là. Non, il dit que non. Le gros qui est pas content. Oui. Bonjour. Oh, il ouvre les portes! Et en plus, il invite des collègues! Et Village People! Oh la tête que t'as, mais. Ah ouais, j'aimerais pas. On t'a reconnu, toi! Francis! On t'a reconnu! Ah mais oui! Attends, mais je peux remonter alors? Non? Je peux pas remonter? Eh non, il peut pas remonter. Ah eh ouais, je suis un tireur d'élite. J'ai à peine d'arriver, pourtant je te colle déjà des pruneaux dans la tête. Ah ah, donc on peut pas passer par là, on peut pas passer par là. Attends, mais c'est par où alors? Bonjour, il me faudrait une information s'il vous plaît. Oui, en haut à droite? Ok, on va regarder alors. Il dit en haut à droite, hein. Non, ça c'est des balles. Peut-être par là. Après tout, on n'a pas bien, on a pas regardé les chiottes. Eh non, ça, on n'a pas le truc. Ou alors, j'ai oublié de récupérer un truc. Bon, au moins, on aura vu une grande partie du premier. Enfin, ça, c'est le début du jeu, hein, ce que vous voyez là. Soyez pas surpris. C'est le début. Ah, Kakamou, vite, vite. On a le temps d'ouvrir la porte de notre salut. Ah mais attends, mais elle pouvait être utile en bas aussi. Enfin en haut. Ah merde. C'est pas grave. De toute façon, il fallait rejoindre Jackie. On veut le rejoindre avant. Vite. Oui, gros gros. T'as un peu courir en illimité. Ça c'est beau. Ouais, je sais. Tout ça, moi, toi-même, tu sais. Et merde, je suis sûr c'est pas la bonne clé. Ah. Le sûr, regarde, elle rentre et tout. Te voilà. Approche. Regarde. Ouais, regarde, mec. C'est Qu'est-ce elle. Qu'est-ce que c'est? Elle s'en est sortie. Oh. Tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est Claire Redfield! Regardez, elle est là! Cette cour. Via l'étage supérieur. Côté est. Merci. Fais pas le con, mec. T'es encore jeune. T'as intérêt à survivre et t'as pas perdu mon couteau. Non!
Ah, c'est un mensonge, j'ai écrit 28 minutes. Il y en a écrit 21. Ah mais en fait, on vient de finir un chapitre. Ah, d'accord. Mais si, non. Attends. Oh les enculés! La démo elle fait pas 30 minutes! T'es culotte! Ah! Vous avez vu la course? Comme c'était mal modélisé. Oh. Ouais, je viens de remarquer que en fait quand tu vois les gens courir c'est très mal. Resident Evil. Plus, ce n'est pas tout. Ah bon? Et ouais, ça, c'est des bonus. Ça, vous le saviez pas. Aïe! Enculé, mon cou! Metal Gear Solid. Allez à la page produit pour acheter ce jeu. Et Nick, t'es mort! J'ai droit à 30 minutes de démo! Le verre est 30 minutes! À boule, à Murfer. Oui. Non vous. Il me reste une minute. Mange-toi le cul. Non mais en fait on va s'arrêter là parce que on s'est fait pigeonner. Alors oui on est y allé en mode rush. Bon on est en mode normal. Je pouvais pas choisir la difficulté sinon on aurait mis très trop. Alors il faut savoir que plus vous allez mettre de difficulté plus les ennemis seront résistants, vous aurez beaucoup moins de munitions, ce genre de choses. Après le jeu, franchement la prise en main elle est juste easy. Il y a deux boutons, on peut admirer son personnage. Après il est vrai que la VF a l'air un peu cheap par moment, le doublage est assez space. Mais moi ça me dérange pas le côté un peu jeunot comme ça, au contraire justement, il a été jeune hein, au moment où on a... Oh, il y avait des munitions ici, on les avait même pas vues. Voilà, il y a aussi les coffres qui font leur apparition dans cet épisode 2, je crois que c'était pas comme ça. Voilà, RPD, RPD qu'est-ce que c'est? Il y a forcément quelqu'un ici. Bah oui on le sait puisque... C'est pas bon ça. Ah, c'est le mec qu'on a sauvé, non? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans. Alors, ça. Enfin, je sais que dans tous les films de zombies, dans les jeux et tout, ça arrive, on voit toujours des gens tirer et ils voient le mec encore bouger, ils ne retirent pas. Dans la vraie vie, si les gens sont en menace, enfin les policiers sont menacés, ils tirent. S'ils voient le mec continuer à bouger, ils continuent à tirer jusqu'à que le mec il s'écroule. Hein, dans la vraie vie, ce genre de choses n'arriverait pas. Hein, bien sûr. Mais voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là. On a bien fait la démo. Hein, on a fait carrément un chapitre sans le vouloir. Vous voyez, là on peut pas l'ouvrir. Hein, avec les doigts, on peut pas enlever le scotch. Sur Kona. Oh, des traces de pas. Non, mais vraiment, là, le jeu, il donne vraiment très, très envie. Je suis pas un gros fan des Resident Evil, mais j'avoue que là, bah, RE7, j'ai surkiffé. Et je trouve que là, graphiquement, il est très, très beau. Bon, même si, bon, c'est vrai que, voilà, on a vu tout à l'heure quand il courait, ça faisait... Ouais, c'est vrai, la course, là, en fait, quand on regarde, ça fait très bizarre. On a l'impression qu'il glisse. On a l'impression que ses pieds touchent pas vraiment le sol. Ça se voit surtout dans les cinématiques, mais bon, sinon, voilà. Après, le jeu, je pense que le côté le plus dur, ça sera le manque de munitions en difficulté très élevée. C'est-à-dire que si vous jouez en mode normal facile, vous aurez des munitions quasiment tout le temps. On a vu que les ennemis, par contre, étaient assez gourmands en balles. Hein. Même en visant, en attendant le curseur au maximum, ouais, ils sont assez résistants. Oh, il y avait une porte ici aussi. Putain, le jeu a l'air d'être assez complet. Il y a pas mal de trucs. Je sais qu'après, il y a des passages avec Ada Wong et tout. Enfin, bon, bref, le jeu a l'air vraiment. Enfin, c'est pas un simple remake. C'est vraiment. De ce que disent tout le monde et ce que je vois là,
c'est un Resident Evil 2 nouveau, quoi. C'est comme s'il n'avait jamais sorti, là, il sortait pour la première fois. Et je trouve ça juste génial. Bref, et bien voilà qui conclut cette petite découverte ensemble de Resident Evil 2 en mode speedrun, sans le faire exprès. Et je vous retrouve pour toujours plus de découvertes, et bien sûr, donc, pour... Je vais essayer de faire ça rapidement, bah, de finir le jeu, de faire le test, et bien sûr, ma petite rétrospective en version guidounesque, quoi, quelque part. Allez, sur ce, bah, je vous conseille, si vous aimez Resident Evil, bah, de vous procurer cet épisode 2 qui va sortir là dans les jours à venir. Même si on a vu que dans le démarrage, il ne dit pas Resident Evil. Enfin, il a une voix un peu plus grave et... Resident Evil 2, Joe. Voilà, il manque. Il manque cette voix sublime qui annonce Resident Evil. Bref, ciao ciao.